pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Il pensait qu'il était gros après d'enlever 7 kg de déchets de son côlon en quelques jours. Une des activités que chaque être humain effectue quotidiennement est de manger. Grâce à cela, nous recevons tous les nutriments dont nous avons besoin pour rester en bonne santé et avoir de l'énergie. Cependant, le corps n'utilise pas tout ce que nous ingérons. Dès que nous mangeons quelque chose, le système digestif est responsable de la séparation des nutriments des déchets. Ensuite, utilisez les nutriments pour satisfaire nos besoins et envoyer les déchets au côlon. De cette façon, le corps se débarrasse des déchets toxiques qui seront inutiles. Bien que le côlon serve quelque chose qui semble aussi simple que de sortir les ordures, sa fonction est très importante. Si cela ne fonctionne pas bien, nous commencerons à accumuler des déchets toxiques dans le corps. En conséquence, nous pouvons souffrir de maladies graves et même la mort même que nous pouvons affronter. Tout au long de notre vie, nous traitons habituellement environ 100 tonnes de nourriture et 40 000 litres de liquide. Cela implique qu'environ 7 kg de matière fécale s'accumule dans le corps. Le travail du côlon est d'éliminer toute cette matière fécale et l'empêcher de causer des dommages à la santé. Si nous n'avons pas d'intestin propre, nous serons plus enclins à souffrir de différentes maladies. Parmi eux, on peut citer la constipation fréquente, le diabète, métabolisme lent, le gain de poids, les maladies rénales, la vision et les problèmes auditifs, problèmes de peau, l'arthrite, les cheveux et les ongles des problèmes et même l'arthrite. Maintenant, nous allons mentionner une liste de raisons par lesquelles nous devons garder notre côlon propre. Ce sont les avantages que vous obtiendrez en utilisant le remède naturel que nous allons vous apprendre à préparer ce jour. Améliore la digestion. Lorsque nous ressentons de la lourdeur dans l'estomac, cela est souvent dû à l'accumulation de matière fécale dans le côlon. Lorsque nous le nettoyons, tous les déchets peuvent être facilement expulsés et sans accident. Prévient la constipation. Lorsque la matière fécale s'accumule dans le côlon, son passage est obstrué. Par conséquent, lorsque nous nettoyons le côlon, nous ouvrons le chemin pour qu'il sorte sans problème. Une façon de le faire est de boire beaucoup d'eau et de manger des aliments riches en fibres. Améliore l'absorption des nutriments. Lorsque nous nettoyons le côlon, nous nettoyons les capillaires sanguins, ce qui améliore l'absorption des nutriments. Il en résulte que cela améliore notre santé et permet une meilleure utilisation de la nourriture. Améliore l'humeur. Gardez à l'esprit que le côlon libère des toxines qui vont directement dans la circulation sanguine. Ces toxines jouent un rôle très important dans notre humeur. Par conséquent, si notre côlon est en bonne santé, nous nous sentirons beaucoup mieux et plus heureux. Diminue le risque de cancer. Lorsque le côlon est bloqué, il y a beaucoup plus de chances que nous développions un cancer du côlon. Par conséquent, en le nettoyant, nous diminuons les possibilités de le souffrir. Équilibrer le pH. Une fois que le côlon est propre, il cesse de libérer des substances qui augmentent l'acidité du corps. Aide à perdre du poids. Comme nous l'avons dit, avec un côlon propre, nous profitons davantage des nutriments dans nos aliments. De la même manière, les déchets peuvent être expulsés plus facilement. Grâce à cela, nous pouvons perdre du poids tout en restant en bonne santé. Maintenant, vous apprendrez comment préparer cette recette fantastique détoxifie le côlon, améliore la santé et vous aide à perdre du poids. Ingrédients. Moins le jus d'un citron. Moins un pH de aloe vera. Moins miel, cet ingrédient est facultatif. Préparation et utilisation. Pour commencer, nous devons éplucher l'aloe vera jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que le cristal. Ensuite, nous allons bien laver le verre pour éliminer la boue qui le recouvre et qui le tache. Pour effectuer ce processus, nous vous recommandons d'utiliser des gants et d'être prudent avec coller Sabila dans vos vêtements. Maintenant, nous allons mettre le verre d'aloès, avec le jus de citron et le miel dans un mélangeur. Nous allons très bien mélanger jusqu'à obtenir une substance homogène. Finalement, nous prendrons cette substance deux fois par jour. Le citron et l'aloès nettoieront votre côlon des bactéries et des déchets toxiques.
De la même manière, il guérira votre muqueuse intestinale et réduira votre douleur et votre inflammation. En fait, cette boisson peut même sauver des vies. Voilà pourquoi nous vous demandons de le partager sur vos réseaux sociaux avec tous vos amis et ils seront très bénéfiques. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir visités. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.